la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo en compagnie de la boss Myriam. Salam, salam. Nouvelle vidéo assez particulière. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Younes. Oh, hey, vous allez être choqués de son âge. Devinez dans les commentaires, il a quel âge avant qu'on vous dise. C'est mon ancien. Vous allez être choqués. En tout cas, la famille, aujourd'hui, on a préparé une grosse surprise à Younes. C'est faux. Attends, on n'a rien préparé. On fait pas son anniversaire. Mais après, son anniversaire, on le fait pas parce que viens, on invite personne et tout. Et en plus, c'est pas bon de faire les anniversaires. Parce qu'en fait, nous, de base, les amis, on fait pas les anniversaires. C'est interdit dans notre religion. Du coup, nous, on ne fait pas les anniversaires de base. Mais vous connaissez Younes, on va lui faire du sale aujourd'hui. Même si on invite personne, Younes, on va lui faire des cadeaux. Il va être choqué. Même nous, on va être choqué. Même vous, on va être choqué. Non, les gars, c'est aujourd'hui. C'est mon anniversaire. J'ai 30 ans. 30 ans. Ouais, je sais, vous dites, on dirait pas j'ai 30 ans, on dirait j'ai 19 ans, je sais, mais c'est comme ça. Eh bah attends, il abuse là, ok, certes, il fait jeune, mais 19 ans là, c'est pas un peu beaucoup? C'est pas possible, il y a quelques temps, j'étais encore au collège, au lycée, et là j'ai 30 ans, c'est passé trop vite. Mais à ce qui paraît, 30 ans, t'es à ton prime au niveau de la force, du physique, de l'intelligence. Bon, je sais qu'Younes aime bien manger, regardez, j'ai amené où? Tchèque. En vrai, je pense qu'on va partir. Ça, c'est méga gros. Oh non, mais j'avais oublié. Il aime pas la fraise. Oh bah alors ça. Oh lolo. Ah, je sais pas. Il préfère la vanille ou le chocolat. Oh lolo, je suis débordée. Je sais pas moi. Bon, je vais réfléchir. Je vais lui prendre un vrai truc. On va quand même faire plaisir à Younes aujourd'hui, les gars. On a préparé des trucs de fou. Bon, vu que je sais que Younes, il aime bien la bouffe, je lui ai pris des gâteaux. Donc ici, on a un magnifique fraisier. Il est incroyable. Ensuite, on a une part de flan. Et ici, une des crêpes. Incroyable, les gars. Et pour finir, un petit cadeau juste ici. On va partir pour lui offrir. C'est parti. Younes. Tu faisais quoi? Rien. Ouvre le tiroir. Non, mais y'a rien, Myriam, arrête, je faisais rien. Bref. On t'a acheté des cadeaux pour notre anniversaire. Oh, merci beaucoup, mais je vous ai dit, c'était pas la peine. Merci, Myriam. Ça fait trop plaisir. Oh, c'est pas pour ton anniversaire, parce que c'est pas bien les anniversaires, mais c'est un cadeau, quoi. Ah, ben merci, les frères, vous avez fait le bon choix. Vous avez pris quoi? Un croissant au Nutella, un fraisier et un petit flan. Elle est belle, alhamdoulilah. Une petite cuillère. Vas-y, c'est carré, je vais tester ça, je suis obligé pour vous. Ouais. Tu connais d'habitude ces régimes, diète, Cristiano Ronaldo, mais là, je suis obligé quand même. Attends, je peux avoir le fraisier, moi? Que je sais, t'aimes pas la fraise, non? Tu veux le fraisier? Ouais. Bah, donne-lui, ça le creva. Mais okay. Que le fraisier, d'accord? Après, oui, je le reste, fraisier. Tu t'as non, dit, non, tu me laisses. Moi, j'aime pas le reste. Oh là 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 là, il est joli le fraisier. Prends-le, t'inquiète, prends-le. Tu veux que je t'aide? Non, t'inquiète. En plus, c'est fraise framboise myrtille. Ah ouais? Ils sont où ces petits jeunes là d'ailleurs qui ont fait fraise framboise myrtille? Oh non, je parle comme un ancien, ces petits jeunes, faut que j'arrête de parler comme ça. Il est incroyable, on dirait les gâteaux incroyables de la boulangerie. Attends, avant de goûter, je vais te faire mon cadeau vite fait. C'est mieux que des croissants? Bah oui. Petit cadeau, félicitations. C'est quoi? Un sac. Ah, ouf, tu verras. C'est un sac. Ouvre le terre avec tes yeux de chat. Oh, des lunettes de soleil. Oh merci. Bon là t'as capté, il fait pas très beau en ce moment, mais au moins. Ah j'avoue, si je pars en vacances. Et... Alors elles me vont bien? On dirait un Men in Black. Ah oh, merci Yassine. Non t'inquiète, pas besoin. Ah merci hein. Il est pas tactile. Les gars, aujourd'hui ce qu'on va faire, on va faire un truc de ouf. Je vais emmener Younes au stade et au stade il y aura une grosse surprise. La surprise c'est quoi? C'est qu'on a ramené un footballeur professionnel de malade mental. C'est la première fois que Younes va pouvoir affronter un footballeur professionnel au foot. Ça va être une dinguerie, donc on se retrouve au stade. On arrive au stade aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Younes, t'as quel âge? On a la trentaine, mon gars. T'es un papy hein. Aujourd'hui les gars, pour son anniversaire on a ramené un joueur pro, Olivier, aujourd'hui qui est ici présent avec nous. Par contre, fais gaffe. Ça envoie mon pote, ton anniversaire ou pas ton anniversaire, on t'a ramené un joueur pro de fou. Ah, c'est parti, penalty mon gars. On fait des penalties. Là les gars, honneur à Oli, je vais laisser tirer en premier, comme ça je regarde les joueurs pro comment ils tirent. Allez c'est parti. Oli, tu vas tirer sérieux là? Bon écoute, moi j'ai une technique, pour moi le meilleur tireur c'est Neymar. Neymar. Si tu la maîtrises celle-là. Neymar. Mais c'est le meilleur tireur de quel... Regarde, il va vous montrer, montre-leur. Entre nous, moi je veux voir. Il va vous montrer. Oh la D! Ouais mais aussi tu lui as dit, t'as dit tiré comme Neymar, il le savait. Le gardien il a progressé. Hein. JK, attends. Eh normalement lui tu l'as analysé, tu sais comment il tire. Tu sais comment il tire de base, c'est vrai, il tire à gauche. Non mais frère, tu sais. Dis rien. T'as pas analysé dans les matchs et tout comment il tire? Dis rien. Vas-y, je te laisse avec bon, ça. C'est bon. Réfléchis, je te laisse avec ça, réfléchis. Fais vraiment comment tu tires en match. Les gars, moi j'ai une technique un peu comme Olivier, mais c'est pas tout à fait pareil. Normalement tu sais hein. Ok c'est parti. Voilà, merci. Reprends le match. On reprend le match. Eh, hey, tu savais. Merci. Okay. Ah, tu lui as dit. Ouais, je lui ai dit. Oh, ouais, maintenant je dis plus rien. Merci, ça rentre. Le stress. Tant que tu n'arrêtes pas un penalty, personne n'a gagné. Allez, le stress. Si t'arrêtes là, j'ai gagné.
c'est fini, ça y est. On t'avait dit quoi? C'est un joueur pro, je m'en fous. C'est son travail, c'est son boulot. Les gars, je m'annonce pas vaincu, on fait un dernier exercice. Je fais un deux touches, une frappe et un centre. Oh, laisse-moi participer à ça aussi. Ok. Vas-y, on fait nous trois. C'est quoi ça? Je t'envoie un deux touches. Non, d'abord, tu fais une frappe. Ouais. Arrête, direct deux touches, après centre. Par contre, ça enchaîne, hein. Ouais, vas-y. Ouh, c'est pas passé loin. Ok, le contrôle. Elle est belle. 1-0, bien joué. Le centre. Bien joué. Oh là 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 là, il avait 1 sur 3. Eh, franchement, je vais reprendre. Parce que je pense que je peux marquer les 3. Ok. Les gars, on va le battre, il a trop la rage. C'est rentré. On la passe. Pied gauche. Le centre. Oh là 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 là. Oh. Le patron, va-t-il répondre présent? Oui. Oh. Je suis pas. Oh le boss. Mais il a annoncé, il a dit j'avais là. Ah non, fort. T'es mis où tu voulais. C'est bon alors. Ah là, est-ce qu'on peut pro, faire. Il est pas pro pour rien, les gars. Ah, il est pas pro. Il a pas volé son statut. Pro. Est-ce que tu bosses, tu peux mettre 3 sur 3 après ça? Ouais, toujours. Oh là là. Ah, il est motivé là, il est motivé comme jamais. Il est motivé. En fait, c'est la frappe, j'ai peur de la frappe. Mais pourquoi? La frappe, parce que c'est ça qui lance tout. Si tu rates la frappe, c'est fini. Si tu rates la première là. Et moi je te dis, dans les trois exercices, mon point faible c'est la frappe. Oh là là. Oh. Oh non. Il a tout bien fait. Non, t'as tout bien fait là. Non, Yassine, non, t'as trop à gagner. Non. En tout cas, merci pour l'anniversaire, c'était un vrai cadeau, mon gars. Voilà, merci beaucoup. J'ai voulu jouer pour la caméra, j'aurais dû assurer. Quel conseil tu pourrais donner aux petits jeunes qui nous regardent? Il y en a beaucoup qui veulent signer pro. Si tu as un ou deux conseils pour eux? Franchement, c'est de rester focalisé sur le foot. De ne pas être distrait par. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions. Les réseaux. Les réseaux, les femmes. Les jeux vidéo. Voilà, la fête. Ok, d'accord, les gars, bah, vous avez entendu, il faut beaucoup s'entraîner, quasiment tous les jours. Et foot. J'arrive pas à y croire, j'ai joué avec un footballeur professionnel. Vous savez que quand j'étais petit, moi, mon rêve, c'était d'être pro. Malheureusement, ça s'est pas réalisé. Et là, Yassine, il vient de réaliser un de mes rêves. En plus, on a fait 2 vidéos. On l'a affronté. Par contre, là, j'ai envie de râler au stade, aller faire des penalties. Parce que comment je perds sur les penalties? Assis-toi là, Younes. Assois là. Ouais. Y a encore une surprise ou tu veux me ramener voir Mbappé cette fois-ci? Non, là j'ai une question à te poser. Ouais. Ça fait quoi d'avoir 30 ans? En vrai, les gars, avoir 30 ans, je suis super content parce que je suis en bonne santé, ma famille elle est en bonne santé, on a des abonnés sur YouTube vraiment incroyables, on rencontre même vos parents, on voit vos parents dans la rue, ils nous disent ouais c'est super ce que vous faites, tout se passe bien dans notre vie, alhamdoulilah, mais j'ai aussi très très peur parce que je me rapproche de plus en plus du rendez-vous, que vous aussi vous vous rapprochez de ce rendez-vous-là, c'est la mort, la famille. Je sais que c'est, ça fait un peu triste de parler de ça, mais faut qu'on y pense, faut être intelligent, faut essayer de faire un maximum la prière, essayer d'adorer Dieu comme on peut, avoir un bon comportement. Personne va échapper à ce rendez-vous qui est la mort et j'ai peur de mon Seigneur, il me pardonne pas, ça me fait flipper, j'essaie d'y penser tous les jours pour essayer de faire le maximum de bien. Et vous aussi d'ailleurs, parce que ce rendez-vous-là, personne va le manquer, que tu crois en Dieu, tu crois pas. Tu vas mourir, je vais mourir, Yassine va mourir et tout le monde va mourir. Donc il faut qu'on prépare un maximum ce rendez-vous et qu'on fasse un maximum de demandes à Dieu qui nous pardonne, parce que ce qu'on fait tous les jours, c'est pas forcément toujours bien. On fait des choses où on oublie Dieu. Des fois, on joue à la play, on va pas prier, etc. Donc il faut qu'on fasse vraiment attention à ça, la famille. Mais attends. Lui, il a 30 ans, mais c'est quand qu'il se marie, là, qu'on récupère un peu la chambre, sa play, son PC et tout, là? Bah ouais, c'est vrai. Eh, viens, on fait une story, on trouve une femme. J'avoue, faut lui trouver une femme. Comme la famille, on cherche une femme pour Younes. N'hésitez pas à mettre vos demandes en commentaire. Parce que là, il a 30 ans, c'est très grave qu'il est toujours pas marié. Donc n'hésitez pas à faire vos demandes. Il a dit quoi? En fait, il a fait une story. Il a dit ouais, je cherche une femme pour Younes et tout pour récupérer sa chambre. Il veut récupérer ma chambre, il a fait une story pour me chercher. Ouais, il veut récupérer ta play. Il est pas mal son profil à elle en vrai. Je pense que ça pourrait lui plaire ça. Hein. Et toi là? À ce qui paraît, tu fais des stories, tu dis moi je me casse de la maison, je me marie, comme ça tu prends ma chambre, ma play et l'ordinateur. Mais t'es un malade toi! Non, c'est pas ce que tu crois mon frère, je veux juste le bien pour toi, c'est tout. T'inquiète pas, on va t'aider avec Myriam. Pourquoi tu me mets dans les bourbiers? Écoutez-moi bien vous deux là,
je vais rester là jusqu'à ce que je décide que je parte tout seul. Mon lit, tu te lèves, ma manette elle est à moi et on va voir. Allez, sortez, sortez, sortez. Eh, mais du coup, tu peux quand même pas passer ton MacBook. C'est de la fin. On aurait essayé. Ouais, vas-y, sors, sors, sors. Eh, mais là, c'est là, ça a des abonnés, t'as envoyé un message pour ton anniversaire. Ouais, comme Younes, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Inch'Allah. Que du bonheur, que de la réussite et voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Depuis 2014, je vous suis jusqu'à maintenant, alhamdoulilah. Mais monte le son. Bon, grosse force à vous. Ciao. Merci, il nous suit depuis 2014, Myriam. T'étais même pas... Tu venais de naître. Coucou, God Familia. Je me présente, je m'appelle Fatima. Et je te souhaite un joyeux anniversaire, Younes. Pour vous dire que je vous adore. Moi et ma sœur, à chaque fois, on fait que de vous regarder. Et voilà. Oh, c'est ta jumelle. Merci Fatima, c'est ta jumelle, elle ressemble grave à Myriam. Joyeux anniversaire Younes, je t'adore, je vous suis depuis longtemps. Je suis même abonné, je vous aime beaucoup. Merci frérot. Déjà bon anniversaire Younes, longue vie à toi Inch'Allah jusqu'à tes 100 ans. Amine, merci et frérot. J'espère que du bonheur au monde. Inch'Allah tu signes pro. Eh, c'est gentil mon gars. Il a dit Inch'Allah que je signe pro, mais les gars, ça y est, je suis vieux, j'ai 30 ans. Qui c'est qui va me recruter à 30 ans, les frères? Qui Ronaldo, il a 37 ans. Je peux jouer encore au moins 7 ans au foot, jusqu'à 37 ans, Inch'Allah. Mais qui va me recruter? Ça, les amis, c'est la meilleure chose qu'on puisse t'offrir. Parce que c'est un tapis de prière et à chaque fois que je vais faire des prières ou à chaque fois qu'Yassine ou Myriam va faire la prière, on va gagner des bonnes actions auprès de Dieu. Et même la personne qui m'a offert ce cadeau, elle va gagner des bonnes actions. En plus, il est trop doux. Regarde, touche comment il est doux. Eh, donne mon parfum. J'ai une idée. Viens, on met ça là, on parfume. Comme ça, quand on va faire la prière, ça va sentir grave bon. C'est moi qui le fais. Merci, Tata, pour ce cadeau. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était une trop bonne journée. On a trop rigolé aujourd'hui. C'était incroyable. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour Younes, ça serait super cool. Et abonnez-vous, ceux qui sont pas encore abonnés. Franchement, t'as pensé quoi de la journée? Incroyable. Ciao, ciao. Vas-y, viens. Viens, on fait un 1v1. Ok. Ouais, mais coupe.